Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma première réalisation en tournage segmenté. Il s'agit d'une boîte en acajou avec une veine de frêne. Je vais vous parler de la préparation des anneaux, du passage sur la scie à ruban, mais bien sûr du tournage. Pour ce type de réalisation, il y a forcément un travail préparatoire théorique. Je vous le présente, mais si ça vous ennuie, vous pouvez zapper et aller directement à la fabrication. On n'est pas au millimètre près, mais voilà globalement le profil qui m'intéresse pour la boîte. Je vais donc découper ce profil en tranches de 2 cm. Les 2 cm, ça correspond à l'épaisseur du bois corroyé que je vais utiliser pour faire le montage. Je vais donc maintenant pouvoir avoir les dimensions des tranches. Ici, avec un petit peu de marge, je vais tracer là. Donc voilà, j'ai donc ici mon entassement de différents trapèzes. J'ai décidé de faire des anneaux de 12 segments. Je n'ai pas l'intention de vous faire un cours de trigonométrie, hein, ça serait avec plaisir, mais on va simplement utiliser SketchUp pour dessiner chacun de ces anneaux et ça va nous donner toutes les dimensions nécessaires. Pendant que l'ordinateur démarre, je vais noter ici les rayons. Donc ici, j'ai un rayon de 5,2 cm. J'ai un rayon de 7,3, 8,1 et 8,3. La largeur ici va être la même que le rayon. Par contre, ici, j'ai une largeur de 5 cm, 3,2 cm, 2,1 cm. Ce sont les largeurs des baguettes que je vais découper au niveau de mon corroyage. Dès le deuxième étage, j'ai un anneau à construire qui va mesurer 7,3 cm en diamètre extérieur. Je vais donc construire ce cercle de 7,3 cm. Comme on peut voir, il n'est pas constitué de 12 segments, mais je crois que par défaut, il est constitué de 24. Je vais donc faire info sur l'entité et corriger, ne pas mettre 24, mais 12 segments. Je vois apparaître mon cercle. Ce cercle, je vais éclater la courbe, ce qui va me permettre avec l'outil cotation de mesurer la longueur du grand côté de mes trapèzes. Je m'explique pourquoi c'est des trapèzes, tout simplement parce que je vais avoir en fait un autre anneau ici, toujours de 12 segments de côté, et que chacun des côtés va être reconstitué ainsi. Je ne vais pas tout dessiner, ça ne sert à rien. Moi, je sais que la largeur de ma baguette ici est de 5 cm, on l'a mesuré tout à l'heure sur le dessin, que la longueur va être de, une fois arrondi, 3,8 cm, et que ça, on ne le mesure qu'une fois, l'angle ici est de 75 degrés. Ce qui signifie que l'angle par rapport à la perpendiculaire est de 15 degrés. C'est l'angle que je vais devoir régler sur ma machine, 15 degrés. Donc j'ai fait le calcul, je sais que maintenant la longueur de ce petit trapèze va se retrouver comme ça, avec ici 3,8 cm, que la largeur ici c'est 5 cm, que l'angle par rapport à la verticale est de 15 degrés. Je commence donc par corroyer des baguettes d'une largeur correspondant à celle de mes anneaux. Ma planche étant très gauche, je préfère d'abord la découper à la bonne largeur avant de la passer sur la dégauchisseuse. Une fois les baguettes préparées, je les débite en petits trapèzes. La précision est vraiment de rigueur. Une erreur d'un demi degré sur chaque angle me ferait un raccord avec une erreur de 12 degrés à la fin. J'ai procédé par essai-erreur jusqu'à avoir un angle vraiment satisfaisant,
Ce qui n'empêche qu'à l'assemblage, il faut toujours reprendre un ou deux joints. Je ne dispose pas de presse spéciale, je bricole donc avec un fil de fer que je torsade au moment du collage. Le fond et le couvercle de la boîte sont des disques complets. Je les découpe simplement à la scie à ruban. Pour l'assemblage des disques et des différents anneaux, je prends soin de décaler les joints de colle. Je vais inclure au milieu de la boîte une veine de frêne. Je vais donc entièrement recouper à la scie à ruban en suivant une courbe ce premier assemblage. Je n'ai plus qu'à coller une feuille de plaquage entre ces deux demi-boîtes. Avant de passer à l'étape du tournage, il faut que je fixe mon plateau. Je ne peux pas le visser directement dans le fond de la boîte, il est trop mince. Je vais donc coller en intercalant une feuille de papier, une cale martyr. Je pourrai visser le plateau directement dedans et une fois le tournage effectué, la feuille de papier me permettra de démonter cette cale de manière aisée.
préfère faire la découpe du couvercle en deux temps. D'abord, de manière classique, sur le tour, puis, de peur de voir le couvercle s'envoler, avec une scie japonaise. Le fait d'avoir retiré un peu de matière pour découper le couvercle a créé un léger décalage au niveau des diamètres. Je remonte donc le couvercle en intercalant une cale en caoutchouc afin de ne pas l'abîmer et je fais un léger ponçage du corps de la boîte avec son couvercle afin d'ajuster au mieux. Pour la finition, j'utilise simplement un bloc de cire d'abeille. Je lustre ensuite avec de la mèche de coton. Le brillant apparaît naturellement et de manière assez impressionnante. Pour retirer ma cale martyre, je glisse simplement un ciseau à bois dans l'épaisseur du papier en prenant soin de mettre le biseau du côté de la cale et pas du côté du bol afin de ne pas l'abîmer. Après quelques petits coups de maillet, le papier se fend dans l'épaisseur. Voilà, pour un premier essai, je suis plutôt satisfait. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan des petits damiers sur les côtés, mais le résultat est propre. J'aurais préféré le faire dans un bloc d'acajou massif, mais là, il ne faut pas rêver. Allez, merci encore à vous de me suivre.